tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur Vampire Survivors ou Survivor, je sais plus. On va tout simplement jouer à ce petit jeu auquel je joue depuis ce soir, qui est vachement sympa. Et c'est un roguelite où il y a plein de monstres qui nous attaquent. On doit en tuer un maximum, prendre de l'XP pour gagner des nouvelles armes, devenir plus fort et ainsi survivre le plus longtemps possible. Et donc moi je vais jouer jusqu'à mourir, je ne vais faire que une partie et si ça vous plaît j'en ferai d'autres par la suite. Pour l'instant ma partie commence plutôt bien, j'ai de bonnes j'ai des bonnes armes qui sont assez complémentaires. J'ai les espèces de boules de feu là. J'ai les petites... la baguette magique qui envoie une orbe. Et puis j'ai la pierre runique aussi qui fait des dégâts. Donc c'est sympa pour l'instant. Tout se passe bien. Voilà, on va augmenter la baguette magique pour envoyer plus de projectiles. Et ainsi... Oula. Ah, orbe d'attraction, on va prendre. Ça permet de récupérer les orbes de plus loin. Et donc on va monter plus vite de niveau. Ça c'est vachement bien. Ouais, vachement bien. Voilà, là, je vais en récupérer plein. Je vais monter de niveau. On va augmenter la pierre runique. Voilà. On va essayer de trouver peut-être un trésor, puisque dans ce jeu, il y a des trésors. Et quand on en récupère... Oula, j'ai pris des dégâts. Quand on en récupère, eh ben, ça nous donne de l'or qu'on peut dépenser après pour booster le jeu, enfin le personnage en début de partie. Et ça nous permet aussi de faire des trucs... Ah, c'est bon, j'ai regagné de la vie. D'avoir des améliorations d'armes sur la partie en cours. C'est vachement sympa. Oh, y a beaucoup d'ennemis. Je vais prendre... J'hésite. Baguette magique encore, ouais. Pour tirer plus vite. On va faire ça. Bon, ça se passe plutôt bien pour l'instant. J'ai réussi à esquiver plein d'ennemis et à récupérer plein d'orbes vu que je les attire de plus loin, donc ça c'est cool. Voilà, mais j'ai toujours pas eu de trésor. Ok, de toute façon quand je perds la partie j'arrête la vidéo. Donc je suppose que la vidéo va faire autour des 10 minutes. Ça va vraiment être une petite vidéo parce qu'en ce moment j'ai pas envie de faire des très grandes vidéos. Mais qui sait, peut-être que je vais bien jouer. Et du coup, on sait pas. Voilà, ça se pourrait quand même que j'arrive à genre plus que ça.
Ce serait génial. Pour l'instant, la partie se passe bien. Mais je suis un petit peu submergé quand même parce que j'ai pas assez de projectiles, je trouve, à mon goût en tout cas. Donc, ah voilà, on va encore augmenter le nombre de projectiles, voilà, pour faire encore plus de dégâts. Ah là, je vais avoir un coffre. Ça, c'est un genre de boss. Quand je l'aurai tué, ça va me donner un coffre, vous allez voir. Ça, vous allez voir un peu ce que je vais avoir est génial. Duplicateur, les armes lancent plus de projectiles. Là, ça augmente tous mes projectiles. Du coup, je suis devenu tout de suite beaucoup, beaucoup plus fort. Parce que du coup, ça me fait deux pierres runiques, une boule de feu en plus. Et comment vous appelez ça? Bref, c'est vachement bien quoi. Vachement, vachement bien. Là, je fais des très gros dégâts. Je les massacre. Allez, il faut que je tue ce fichu boss là. Allez, allez, allez. On va y arriver. Ah, voilà. Premier coffre. On a dépassé les 6 minutes. On est bien. Et on a trouvé. Je sais pas ce qu'on a trouvé. Qu'est-ce que ça fait? Plus 10 de dégâts à la baguette de feu. Ok, c'est très très bien. Très 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 bien. Ok, on va esquiver tout ce monde. Et on va encore faire duplicateur. Est-ce qu'on a, on a encore augmenté tous nos projectiles? Ça se passe très 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 bien pour l'instant. On peut dire qu'on leur met une branlée. Ouais, c'est parfait. Regardez ça. Ah ouais, par contre j'ai pris des dégâts. Et faut que je prenne des orbes quand même. Ah voilà, parfait. Plein, plein d'orbes. On va prendre orbe d'attraction aussi pour augmenter le magnétisme. Et on va prendre les poignards. Voilà. Les poignards. On en a directement 3 grâce au duplicateur. C'est bien. Oh là là, j'ai pris des dégâts. Je veux pas mourir maintenant. Je ne veux pas mourir. Maintenant. Augmente les dégâts infligés de 10%. C'est vachement bien. On va prendre ça. Faut vraiment que je trouve de la vie. Allez. Faut que je trouve de la vie. Ah, c'est chaud. Ah là, peut-être. Ça serait bien. Voilà, de la vie. Super. Là, ils sont très nombreux. Très, très, très nombreux. Je vais essayer de récupérer de l'XP. Voilà, j'en ai récupéré. Il faut que je récupère de la vie aussi, parce que j'en perds quand même. Ok, c'est chaud. C'est chaud, mais je suis pas mort pour l'instant. Parfait. Pierre unique, on va augmenter. Faire plus de dégâts encore. Ok, on est bien. C'est hyper bien les pierres uniques quand on a plusieurs et que ça fait des gros dégâts. C'est vachement bien. Mes boules de feu, elles font des dégâts de fou. Mais c'est aléatoire, ça peut partir dans n'importe quel sens. Et en même temps, il y a tellement d'ennemis là que.
qu'on est bien. Bon, je vais juste avancer comme ça. Voilà, ça se passe bien, 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 bien. Il me faut de la vie. Je vois pas de feu. C'est embêtant. Niveau 5 pour faire encore plus de dégâts. Parfait, on est bien. Il faut que je bouge par contre parce que sinon je vais mourir. Bon, il faut que je trouve des feux. Et où des coffres. Ça serait bien. Allez, allez. Là où il y a un feu, deux feux, et il y a un poulet en plus, voilà, j'ai remonté ma vie. Parfait. Eux, ils sont vachement plus résistants déjà, donc ça commence à être plus dur là. C'est des genres de chauves-souris géantes, on dirait. C'est déjà plus difficile. Allez, allez. Yes, je vais récupérer plein de trucs. Allez, un projectile de plus. Oula, je suis bloqué. Je suis bloqué. On va mettre les haches, tiens. C'est bon, tout se passe correctement. J'ai dépassé les 10 minutes. C'est chaud, les gars, c'est chaud. Je suis enfermé, il y en a plein. Je sais pas si vous avez vu là les espèces. Oh, mais je suis mort. Vous savez quoi, je vais refaire une partie. Je vais refaire une partie. Alors, je peux pas acheter lui, dommage. Ouais, je vais refaire une partie avec. Ah ouais, d'accord, j'ai plusieurs niveaux. Essayer la bibliothèque, voilà. Voilà, on va essayer ça. Je suppose que ça va être plus difficile. Ça commence plus hardcore. Voilà. Baguette de feu, c'est très fort. On va le reprendre. Voilà. On va essayer d'en tuer quelques-uns. Pour récupérer ensuite de l'XP, on va tourner en rond comme ça. On va essayer. Voilà, la pierre unique, c'est très fort, on le reprend. Parfait. Ah, du coup, on est beaucoup plus. C'est un niveau qui est fermé, donc on peut beaucoup moins s'échapper, c'est plus difficile. Je trouve que c'est plus difficile, ouais. Sais pas trop ce que c'est ces ennemis là, ils sont bizarres. Ouh là là. Voilà, super. Pour l'instant, on fait ça. Aïe. À mon avis, je vais pas tenir longtemps. Ce niveau, c'est dur. C'est plus dur que l'autre. En même temps, c'est normal. Ah, par contre, il y a plein d'orbes.
C'est cool. Ce que ça fait l'anneau de tonnerre. Ah oui, d'accord. Pas mal. Sympa. Il frappe des ennemis au hasard. Ça, c'est bien ça. Par contre, j'ai aucun moyen de me remettre de la vie ou c'est comment? Comment je peux me remettre de la vie en fait? C'est pas avec des genres de feu ou des trucs. On sait pas comment se remettre de la vie. Y a forcément un moyen. Ah, c'était ça. Les bougeoirs, là. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est les bougeoirs. Sont de plus en plus forts. Vite, 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 il faut qu'on monte de niveau. Allez, vas-y. Il y en a plein là, des orbes. On va tout prendre. Et on va prendre l'eau bénite. C'est chaud. Des zigzags entre les ennemis. Waouh, là je vais prendre des dégâts. C'est sûr. Ok. Ok. C'est chaud. Tout à l'heure, j'aurais pu survivre plus longtemps, je pense, mais j'ai pas très bien joué à la fin. Enfin, moi, je trouve. Moi, je trouve que j'ai pas très bien joué à la fin. On va aller récupérer. Ouais, je prends des risques. Je prends vachement de risques pour quelques orbes. Voilà. Voilà, on va prendre l'orbe d'attraction pour en récupérer plus facilement. Comme on joue sur une petite pièce, l'avantage c'est qu'on va vite récupérer des orbes. Ça c'est pas mal. C'est que du coup ils sont hyper concentrés au même endroit. C'est bien ça. Des orbes. C'est méga chaud. J'avais pas vu, on voit le nombre d'ennemis qu'on a tués. J'en ai tué 1440, c'est écrit. Et il y a un coffre. On va vite aller le prendre. Et espérer trouver un truc trop bien.
survivre. Allez, on augmente tous les dégâts de 10%, c'est bien. Parfait. Ça se passe pas trop mal pour l'instant. Je manque un peu de projectiles, mais je suis en train de monter de niveau. Très vite. Et j'ai trouvé un deuxième trésor en plus, donc ça c'est très très bien. Qui me donne un niveau de baguette supplémentaire. Voilà, c'est bien. J'ai plein d'orbes à récupérer. De la vie en bas. Qui va peut-être me sauver parce que j'en avais plus beaucoup. Ok, on monte encore de niveau. On va augmenter les haches. Voilà. On va prendre la vie. Parfait. Là-bas, il y a un truc, c'est écrit. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc à prendre. Donc, on y va. Qu'est-ce que c'est? Ils sont en train de me faire mourir là. D'aller par là, mais en fait, c'est en train de me faire mourir. Non, bah, en fait, je vais essayer de survivre, c'est tout. Ah, je suis mort. Ok, c'était sympa. Vous savez quoi? Je vais en faire encore une dernière. Voilà. On va acheter ce personnage. Et on va refaire le stage 1 avec. Voilà. On va faire ça. Et on va essayer de survivre plus de 10 minutes, voilà, on va dire. Et après, j'arrêterai la vidéo. Voilà, au début, on monte très vite. Ce serait bien que j'aie de la chance. Voilà. À notre tonnerre, c'était vachement bien. Voilà, on va prendre un autre tonnerre. Parfait. Ce qui est bien, c'est que des fois ça frappe les ennemis en arrière alors que je suis en train d'avancer. C'est pas mal. On va aller récupérer encore de l'XP. Voilà, on va bientôt level up. Encore une fois. Voilà. On va prendre baguette magique. C'est vrai que c'est sympa aussi. On a toujours un peu les mêmes trucs en fait, je me rends compte. Allez, bientôt un niveau de plus. Ah, super. Un coffre. Attendez, on va s'éloigner un peu parce que on est mal en point et on va prendre le coffre. Ce serait bien qu'on ait des trucs de fou. C'est pas de fou. Mais c'est sympa. Lance un projectile de plus. Tiens, je vais prendre le fouet. Et la Bible, ouais, j'ai pris plein d'armes différentes. On va essayer de jouer avec plein de trucs. La Bible, elle tourne autour de moi, voilà. Et le fouet, il met des dégâts aux ennemis proches, mais du coup, je l'ai pas pris. Donc ouais, la Bible, elle tourne autour de moi. Il faudrait que j'ai un duplicateur pour augmenter.
lance-flammes. J'avais jamais eu ça. Vachement bien. Ça dure pas très longtemps, mais c'est cool. Ça fait pas mal de dégâts. Moi, ce que je veux, c'est manger du poulet. J'en trouve pas, j'ai plus de vie. Comment je vais faire pour survivre? Allez, allez. Voilà. Allez, encore du poulet, encore du poulet, encore du poulet, encore. Allez, on va récupérer un peu des orbes. Il y en a plein. Ah, là, il y a du poulet, c'est sûr. Vous allez voir. Là-bas. Allez, faut qu'on monte de niveau aussi, ce serait bien. On va augmenter avec le nombre de bibles. Sympa les bibles. Ça me protège aussi des ennemis qui sont proches de moi. C'est toujours sympa. Et on va essayer récupérer de la vie. Je suis vraiment en galère de vie là, c'est terrible. Terrible, terrible. Je tiendrai jamais 10 minutes dans ces conditions. En plus, j'ai pas de chance, je trouve jamais de vie. Vraiment pas de chance. Oh là là, en plus, il y a un boss. Je suis bloqué. Il va falloir que je survive. Ça va être chaud. On va essayer. On va essayer de monter de niveau. On va augmenter tous nos dégâts. Ça fait quoi? Ah, ok. Ça les a tous figés. Ok, sympa. Ok, c'était sympa, ouais. Pas poulet, poulet, pas poulet, pas poulet. Ah, le boss, il est là. Allez, faut qu'on le tue. Mais je suis pas assez fort, franchement, là. De vie. Pourquoi j'ai pas de chance avec les feux sur cette partie-là? Allez, faut que je monte de niveau là. J'ai toujours pas tué le boss. Il est où d'ailleurs? Je le vois pas. Bon, je l'ai. Ah, il est là. La misère. Oh non. Oh, je suis mort. Allez, encore une, non. C'est quand même addictif comme principe, vous trouvez pas? Donc on peut prendre des bonus pour augmenter des trucs. Voilà, par exemple, je peux augmenter mes dégâts.
refaire une partie au stage 1, voilà. Et cette fois, on va essayer de mieux jouer, de monter niveau très très vite. Allez, allez. Je sens qu'on va y arriver cette fois. Là, j'ai des trucs cool, mais je vais prendre. L'orbe d'attraction. Ça peut nous permettre de monter de niveau encore plus vite, plus facilement, pour récupérer donc plus d'orbes. C'est quand même sympa. Ouais, c'est sympa. Une arme, non? Sinon on va pas survivre. Je vais prendre eau bénite. J'aurais dû prendre la baguette magique en fait, non? Ça aurait peut-être été mieux. Maintenant c'est fait. C'est toujours mieux que rien. On va dire. Ah si, c'est pas mal, ça peut faire quand même de gros dégâts sur la durée. Quand il y a des gros gros groupes, c'est pas mal du tout. Allez, le fouet. Je vous ai pas montré encore le fouet. C'est pas mal. On peut tuer des groupes assez larges d'ennemis. Et comme j'attire bien les orbes, ça peut aller vite pour level up. Pas mal. Ah oui, ça c'est bien. Là, je vais monter vite là. Vous allez voir. Grâce à ça là. Parfait. Là, nickel. J'ai fait plein de dégâts. Oh là là, par contre, un peu chaud là. J'ai quoi déjà? On va mettre pierre unique ou duplicateur. Allez, duplicateur. Ça met deux coups de fouet maintenant, ça c'est bien. Parfait. On les a immobilisés. Ça nous laisse le temps de faire le ménage, de reprendre de la vie. Parfait. Là, je suis pas mal, franchement, en vrai. Ah non, j'ai pas vu ma vie. J'ai dit je suis pas mal, mais pas du tout en fait. Pas du tout, du tout, du tout. Je peux pas l'acheter lui. On va essayer avec lui. Je fais que stage 1, l'autre est trop dur pour l'instant. Moi je trouve. Moi je trouve qu'il est trop dur. J'avais dit que je faisais une toute petite vidéo, mais finalement. Finalement, non. Parce que je m'amuse bien, donc. Donc c'est bien. C'est vraiment un super jeu. Je trouve assez addictif. Prendre les haches. Donc les haches, elles tombent comme ça et elles font des dégâts. C'est pas mal.
Non, ça fait bien mal aussi. Des orbes. Ok, parfait. Projectile de plus. Parfait. Maintenant, il faut un duplicateur, je dirais, pour être bien. Bientôt monter de niveau. Eux, c'est chaud, ils font trop mal. Il faut les esquiver à tout prix, sinon on va mourir. Essayer de la voir. C'est chaud. Mais ils sont combien? Ils sont trop. Ah, j'aurais dû prendre le duplicateur. Ah, j'ai pas réfléchi, mince. J'aurais eu plus pour plein de trucs. Mais c'est pas grave, je vais l'avoir plus tard, le duplicateur peut-être. J'ai vraiment mal joué. Là, j'aurais pu devenir beaucoup plus fort d'un coup. J'espère que je vais l'avoir après le duplicateur. Mince, pas de duplicateur. Mince, mince, mince. Pas de chance. Bêtise. Comme ça, cette partie, elle aura moins servi à gagner de l'or. Beaucoup d'or en plus. 184, c'est bien. Et je pense que je vais avoir un projectile de plus, ah non, plus rapide mes projectiles de baguette magique. Pierre runique, baguette de feu, allez hop. J'ai plus le droit au duplicateur maintenant. Bien fait pour moi. J'avais qu'à le prendre direct. On joue mal, on joue mal. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas la faute du jeu, c'est ma faute. Bon, je m'en sors quand même. Mais j'aurais pu être vachement plus puissant et faire beaucoup plus vite le ménage. Mais bon. Ça va quand même. Ça va quand même, ça va quand même. Voilà, il y a plein d'orbes. C'est bien, on va vite monter de niveau comme ça.
ça fait des gros dégâts. Là, il y a un boss. Ah, là, j'ai un coffre. Qu'est-ce que je vais avoir? Allez, encore baguette magique. Un projectile de plus, ce serait bien. Ouais, super. Bon, ça va. Je suis pas mal. Franchement, je suis pas mal. Du coup, on va augmenter nos dégâts. Récupère des orbes. Et on va essayer de tuer ce fichu boss à la noix. Ah bah là, je pourrais facilement regarder. Je les ai tous eus, j'ai gagné encore un coffre qui va me donner un truc super cool avec 200 d'or, 197. Voilà, on a augmenté les dégâts de base de je sais plus trop quoi. Merde, je suis mort. Bon, allez, j'arrête là. Vachement sympa comme jeu. Là, j'étais sur la version DC, mais je pense que je vais me l'acheter parce que j'aime bien, c'est vachement sympa. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.